Tu fais souvent du vélo avec une perruque rose? Non. Et pourquoi? Voilà, je fais du vélo pour la Vélorussion. Ah, tu veux être vu? Voilà. Et à quoi ça sert d'être vu? Eh bien, savoir que le vélo, c'est bien. Ah, c'est bien le vélo? C'est bien le vélo. Ouais, mais ça fait pas de bruit, c'est pas drôle, ça. Ça tue personne, en plus? Ça tue personne, ça fait pas de bruit. Ça pollue même pas. Mais comment est-ce qu'on va faire pour acheter du pétrole et le consommer, dans ce cas-là? Pas besoin, mais l'argent et les bénéfices des sociétés pétrolières, qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est catastrophique quand même, c'est la perte de la France, il n'y a plus de pétrole, non? C'est renouveau. Ah bon? C'est une nouvelle façon. Mais en plus, est-ce qu'on peut être heureux si on est en vélo au lieu d'être dans une belle bagnole? Ah bon? Ah ouais. Mais on va tout doucement. Moi je vais vite. Hein, ah bon? Donc en fait on prend du vélo pour pas prendre de pétrole et pour aller vite. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous faites là? Là je fais la fête du vélo en mode Vélorussion. C'est quoi une Vélorussion? La Vélorussion, c'est une balade manifestive à vélo, toujours dans la bonne ambiance, en famille, entre amis, sous le soleil, la majorité du temps, et on s'amuse. Ah, donc du vélo, d'accord, mais seulement en famille, si on s'amuse, et puis sous le soleil. Ah non, ça c'est le petit plus, parce qu'en fait, sinon c'est surtout un mode de transport pour tous les jours, pour aller au travail, chez les amis aussi. Un mode de transport seulement quand il fait beau, c'est ça? Non, en fait, il y a un petit dicton qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des cyclistes mal équipés. Donc en fait, quand il pleut, ben, on s'équipe, on se met un imperméable et puis tout va bien. Mais ça coûte cher, ça. Un imperméable? Bah non, mais si on s'équipe et tout, c'est un truc de bobo. Le vélo, c'est un truc de bobo, ça rime. Non, bah, c'est oui. Pas pour rien, c'est non? C'est vrai que ça rime. Mais non, en fait, ça coûte pas si cher. Un vélo, par exemple, c'est le prix de 3 pleins d'essence, donc c'est vraiment pas cher. En fait, ouais, mais on fait des économies à vélo. En plus et tout. Ouais, mais sur le long terme, c'est toujours rentable, hein. Ah ouais. D'accord. Ouais. Et en fait, tu faisais une Vélorussion, c'est ça? Exactement. Et t'as été surprise parce que c'était finalement dans la nature. Eh bien, et pourquoi? Parce que je me rappelais plus que c'était la fête du vélo. D'accord. En fait, pour toi, le vélo, c'est tous les jours. Oui.
oui, c'est un peu voilà. Ça. La Vélorussion, c'est aussi dire qu'on veut la place au vélo dans la ville. En fait, ça dépend des usages, mais si on est en ville, il n'y a pas de souci, on va plus vite que les voitures. En fait, sur 3 km, 5 km en ville, on va plus vite que la voiture, on va plus vite que dans les transports en commun. Parce qu'en fait, on a juste à sortir de chez soi, on est direct sur le vélo, pas besoin de marcher 500 mètres pour aller retrouver sa voiture. Et on n'a pas besoin d'attendre les transports en commun, c'est direct, et puis en plus, on peut se garer juste en face de là où on va. Un truc en fait, où faut être équipé pour les bobos, mais c'est de l'efficacité en ville, hyper efficace, en fait c'est pour la croissance, c'est ça, pour être hyper efficace, un truc de gros riches, ils veulent travailler plus vite, plus efficacement, c'est ça le vélo? Ah mais c'est pour la croissance du vélo, ah. Mais la décroissance de l'utilisation de la voiture. La décroissance, c'est-à-dire que vous voulez tuer le pays? Ah non, pas du tout. Et justement, c'est un facteur en fait de développement économique, surtout pour les centres-villes. En fait, il y a eu des études qui ont montré que les gens qui se déplacent à vélo, ben, ils dépensent plus de sous dans le centre-ville parce qu'en fait, on se déplace à proximité et donc ça redonne du dynamisme au centre-ville. D'accord, donc du développement économique, de la croissance, de proximité, voilà, du suréquipement, de l'efficacité. Ouais, il est chouette votre monde de vélo là. Ah ouais, c'est vrai que là, vu comme ça.